Bonjour, internautatrices et internautateurs, ici Galden pour les jeux du cygne. On reprend notre partie sur Dotage. Partie qui est compliquée. On va voir si on arrive à s'en sortir. C'est en particulier face au manque de population. Je vais bientôt manquer de bouffe. J'ai tout consommé. Alors j'ai vu, il y a eu des petites mises à jour. J'ai vu qu'on pouvait renommer des personnages. Par exemple, je peux. Hop. Lui s'appelle Luco. Je peux le renommer par exemple Mazamara. Hop, voilà. Tiens, les deux druides sont épris. Alors, à quoi ça ressemble? Bah, t'as pas regardé les diffusions, écoute. Franchement, t'as que ça à faire. Me fais pas croire que tu travailles. Ça ressemble à ça. Hop. Et puis, alors j'ai vu aussi qu'en fait, je trouvais qu'ils avaient une drôle de tête, les gens qui s'occupaient des observateurs, là. Et ben en fait, j'ai 10 minutes avant de lancer une soirée de tournage, d'accord. Fais-moi arriver, waouh, en 10 minutes, ça va être chaud. Alors déjà, comme je habite un jeu avec des lapins, peut-être mauvais, c'est sûr. Il y a des lapins, il y a des petits oiseaux, puis on mimi, il y a des petits poissons. Allez, on sort les petits poissons. Voilà, plouf! Il peut aussi y avoir des poules, il peut y avoir des vaches, il peut y avoir plein d'animaux. Ouais, donc il y a des observateurs qui ont une drôle de tête. En fait, normalement, il y a les péons de base. Ils ont une tête de base, et puis ceux qui ont un métier particulier, ils ont un chapeau. Et en fait, il y a dans l'event Halloween, et ben c'est ça transforme les chapeaux. Donc typiquement, bah, eux, ils ont une tête d'Halloween, qui n'est pas la tête classique. Alors déjà, pour vendre du rêve, il faut d'abord essayer de survivre. Donc j'ai besoin de générer de l'espoir. Je pourrais en générer davantage, mais ça me coûterait de la bouffe. Alors j'ai aucun personnage qui est dispo parce qu'ils font de la. Attends. Là je vais avoir du cuir. Là je fais quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de générer plus d'espoir pour être sûr d'arriver à une protection optimale. Avec mes 10 péons. Et je vais essayer de faire en sorte d'agrandir, mais est-ce que je continue de chasser là? Là j'en ai trois. Je vais tout de suite pouvoir faire améliorer mes tentes. Ah ben non, parce que je n'ai pas recherché les tentes améliorées, je suis con. Donc en fait pour l'instant ça sert pas à grand chose que je continue de récolter du cuir. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de bouffe, mais en bouffe je suis au max pour l'instant de ce que je peux produire. Donc du coup, je vais. Alors si. Je vais générer un maximum d'espoir pour être le plus rapidement possible dans le vert. Et puis on va continuer comme ça. On va terminer le tour. Hop. Et les petites animations qui sont toutes choupies. Ça vend peut-être un peu du rêve. Hop.
Alors, je vais avoir le domaine de la maladie qui va bientôt se réveiller et qui va m'enquiquiner. De toute façon, là, je ne peux pas faire grand-chose d'autre. Bon, je produis plus de bouffe que je n'en consomme, ce qui est plutôt positif. Mais ça ne durera qu'un temps parce que mes réserves de fraises, là, j'ai 8 tours, 7 tours. Et je vois pas. Je vois pas parce que. Et 2 tours, aïe. Bientôt, je vais plus avoir celui-ci de trucs de fraises. Est-ce que je peux en récupérer ailleurs? Oui, ici. Alors, il faudrait que j'aille par là. Toi qui me fais des graines, tu vas plutôt me faire des panneaux de signalisation pour agrandir mon territoire. Là, ça me débloque exactement les mêmes cases. Hop. Un jeu où il faut survivre, c'est bon, je suis hypé, t'inquiète. Ouf. J'avais très très peur. Mais j'ai un peu le même problème. On peut parler de problème. Putain, je peux arrêter de récolter de la flotte aussi. Alors, qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce qui se passe? Tu me génères du froid. Bon, écoute, tu transformes, tu te rafraîchis. Très bien. Consomme de l'eau pour obtenir du froid. Je suis en été, ça me va. Allez, on va y arriver. Et on va y arriver surtout avant que l'événement n'arrive. On va. Alors, je vais. Non, je vais pas faire disparaître les petits lapins maintenant. Non, de toute façon, je peux pas atteindre la zone, les fraises derrière. Donc, toi, je te mets là. Là, j'ai récupéré de la flotte. Donc, c'est bon. Je vais reprendre la recherche. Hop. Ok. Bon, et les deux là, elles sont en alternance, c'est très bien. Ah non, je vais récupérer des. Un plant de tomate au prochain tour. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me choper des malades à tous les coups. Là, je ne peux rien y faire. Assommé. S'il est juste assommé, ça me va. Ok. Assommé pour 3 tours. Symptomatique. Ok. Il est malade de l'estomac. Tant pis pour lui. Qu'est-ce qu'il me faisait? C'était celui qui était sur les fraises, justement. Alors, c'est pas très très grave. Ça va le faire. Hop. Des fraises ici. Là, c'est bon, je vais être à 100%, ce sera tout juste. Hein. Pouah. Ce sera vraiment tout juste. Je suis encore positif sur la bouffe. Et je vais pouvoir lâcher le fumeur de Hakik. Parce que ouais, j'ai des fumeurs de chanvre. Que ça aussi ça te hype. Le fait que tu puisses avoir des fumeurs de haschich. Je le sens dans mes os. La prochaine saison arrive à grands pas. Préparez-vous. Prochaine saison dans 5 tours. Je vais passer en automne. Et en automne, il va falloir que je prépare l'hiver. Ok. Donc là, lui, il faut encore que je le fasse agir pendant un tour. Bon. Tant que tu génères du champ, ça va. Bah, c'est bon. Je peux en générer. Ah, sauf que là, j'en génère moins.
génère plus qu'un. Aïe aïe aïe. Indeed. Il faut que je plante. Il faut que je plante. Alors, j'ai plus besoin de toi. Et j'ai plus besoin de toi non plus. Ok. Donc, très bien. Hop. Quelqu'un pour replanter ici. Je vais pouvoir rebalancer un autre chercheur. Il est où mon autre chercheur? Il est là. Donc, tac. Tac. Et. Ok. C'est chaud, mais on y arrive. Alors en automne, il va falloir que je génère de la chaleur, ce que je ne sais pas du tout faire. Donc je vais terminer ma recherche ici. Salut Squash! Bienvenue sur live. Le seul lapin intéressant, c'est celui des Monty Python. Absolument. Tiens, pourquoi c'est aussi peu? Ah, est-ce que c'est lié à... Le doyen a une vision de chaleur, ok. J'ai réussi à faire diminuer temporairement la menace. Très bien. Et il faut que je continue de générer. Ok. Je vais avoir deux événements de peur d'ici peu. Donc il va falloir que je continue de générer de l'espoir. Alors l'avantage, c'est que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de bonus. Donc ça va le faire. Et là, je me remets à générer 3 de chanvre par tour. Je suis vraiment en flux tendu et ça ne me plaît pas du tout. Alors, j'ai de nouveau quelqu'un qui est... Hop, qui ne fait rien. Donc je vais me refaire un tout petit peu d'avance sur les graines. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué ici? J'ai débloqué. Ok, bah écoute, bons enregistrements. Très cher signe. Je débloque les entrepôts. Hop, entrepôt et grand entrepôt. Bien. Ok. Nouveau bâtiment. Est-ce que j'en ai ici ou pas? Un truc de construction, ouais. J'ai débloqué les entrepôts. J'imagine que ça permet de stocker en plus, en toute logique. Ok. Bon, donc là je vais être à 100% au bout d'un tour. Ce sera très bien. Je vais pouvoir récupérer 2 jambes. Et essayer de faire un peu autre chose. Ah non, je vais pas pouvoir en récupérer 2. Parce que il va me falloir contrer. Alors, j'ai fini Stand d'artiste qui va me permettre de générer de l'espoir autrement. Alors, plus 2, 6, construction sociale dans une tuile. Alors, qu'est-ce que j'ai en social? Qu'est-ce que j'ai en social? Tac, 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 social, c'est cela. Donc c'est soit les bancs de relaxation, soit le stand de relaxation. Je ne me suis pas construit de stand de relaxation. Si, là. Alors, c'est la loose. Si, je peux le mettre là. Ouais. Donc si je le mets ici, typiquement, il me générera 6. 6 d'espoir, mais l'avantage c'est que c'est sans contrepartie. C'est juste
Une formation, peut-être avec des outils, mais de toute façon j'ai pas assez de bois, donc il va falloir que je génère du bois. Alors, tac, tac. Non. Toi, tu vas continuer de générer de la beuh, les graines. Je peux m'en passer. J'ai besoin de bois. Là, qu'est-ce que je vais rechercher? Il faut que j'anticipe et que je puisse générer de la chaleur avec des feux de broussailles qui consomment du chanvre contre de la chaleur. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut générer de la chaleur? Pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien d'autre. Non. Construction, s'il y a les trucs de cuivre, mais j'en ai absolument pas encore. Bon, et eh ben on va partir sur les feux de broussailles. Hein. Donc. Est-ce que j'ai besoin de mes deux chercheurs? Bah ouais, on peut. Ah ouais, il faut que je fasse gaffe parce que là. Là, je vais plus avoir. J'ai plus qu'un seul qui peut créer du bois. Ces deux-là, ils ont été détruits. Delba. Delba ne fait rien. Également, il faut que j'avoue un problème parce que les fraises, c'est que en printemps, au printemps et en été. Donc là, je vais me retrouver à sec. Je vais très vite me retrouver à sec de bouffe. Delba, tu vas me créer ça. Et puis bah voilà, au prochain tour, j'aurai de l'avance sur l'espoir. Ok. Alors. Qu'est-ce qui va se passer ici? Désemparé. Ah. Pas le plus intelligent. Ok. Bon, ça peut mener à d'autres événements. Donc j'ai le feu de broussailles. Il va tout de suite falloir à mon avis que j'aille. Non, il faut que j'aille chercher la bouffe pour l'automne. Et la bouffe pour l'automne, bah, c'est les citrouilles normales, hein, d'Halloween. Il faut les mettre à côté de l'eau. Ça va être chaud. Ça va être chaud. J'imagine qu'il faut le sol labouré. Ouais, c'est la même chose. Je vais avoir besoin du chaudron aussi tôt ou tard. Je sais pas si c'est vraiment important avec ce village-là. Alors, de la calor. Alors, consommé par événement.
Oh. J'arrive pas trop à comprendre, j'ai l'impression qu'il y a une mécanique spéciale. Production. Il faut un tour et deux chanvres pour générer deux chaleurs. Ne peut fonctionner si un événement haut qui est actif, d'accord. Et peut guérir la maladie trempée, d'accord. Ouais, tu peux faire sécher les gens, quoi. Je vais m'installer. Là, on a dit que c'était pour générer plutôt du. Bon, du bois, j'ai pas de soucis. Je peux en mettre à plein d'endroits. Je vais aller là. Mais j'ai personne pour le mettre. Et je vais manquer d'outils assez vite. Donc toi, j'ai pas besoin de générer quoi que ce soit dans l'immédiat. Donc tu vas me faire ça. Et par contre, j'ai besoin d'avoir de l'avance en chanvre. Puisque ça. Ah oui, de toute façon, ça me consomme du chanvre. Donc, j'ai besoin de le garder. Bon, j'ai réussi à revenir à mon max en bouffe. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse, mais il y a de l'espoir, nous pouvons le combattre. Forcément, de la maladie. Bon, là, je suis très large, donc j'ai pas du tout à m'en préoccuper pour l'instant. Pendant 5 tours, je vais être tranquille. Qu'est-ce que je vais avoir ensuite? Là, je vais avoir changement de saison. Là, j'ai deux événements d'espoir. Ah non, j'ai pas de. Ah non, je vais pas avoir de problème de chaleur en fait. C'est pas grave, il est fait au cas où. Bon, donc je vais devoir générer un maximum d'espoir. Pour ça, je vais avoir besoin de générer du bois. Donc la chaleur, on oublie pour l'instant. Le chanvre, j'ai besoin de stock. Il faut que je me remette à générer du bois. Alors attends, est-ce que je peux faire ça directement? Pourquoi pas? Je mettrai 4 tours à le construire. Mais ça me permettra de générer 4 bois d'un coup. Au lieu de n'en générer que 2. Alors, ce champ serait déterminé. Mais ça va aller. Alors, j'ai un pips qui fait rien. Un pip qui fait rien. Il faut que. Je remette un peu d'avance. Non, je vais. Un peu d'avance, comme ça, au prochain tour, il sera de nouveau dispo. Et je vais bientôt avoir ça. J'ai besoin de générer des outils aussi. Trop de choses. Trop de choses à faire. Oh merde. Ok, bon, alors changement de plan. Changement de plan. Il faut. Je me fasse un constructeur de bois ici pour pouvoir faire des outils, pour pouvoir, parce que je vais en avoir certainement besoin ici, pour le coûtelier, coup de formation, et c'est ça, j'ai besoin d'un outil de base que je n'ai pas.
Alors, j'ai un champ de tomates en plus. Et voilà, c'est l'automne. Ah si, j'ai quand même un event. J'ai quand même un event de froid. Ah mais mes tomates, elles génèrent encore en automne. Par contre, j'ai plus de fraises. Alors du coup, on va se dire qu'on économise tout ce qu'on peut. Le problème, c'est que si je fais ça, si c'est bon. Pour l'instant, je peux n'afficher qu'une seule colonne. Et là, ah oui, là. Là aussi, c'est dans la mise à jour, ils ont mis un truc qui permet de faire une restriction pour les animaux. Mais pas pour les humains. Bien, alors, j'ai du bois ici. Du coup, je peux refaire un outil ici. Il sera prêt dans combien de tours? Je sais pas. Alors, donc là, je me suis fait les champs de citrouille. Si c'est à côté de l'eau, ça fait plus de 2. Ça peut faire 10. Ça peut faire 7 pendant 10 tours. Oui, ce qui est beaucoup plus intéressant. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que les champs de tomates. Ah, sauf que là, ah oui, non, ça n'est intéressant que si j'arrive à le mettre effectivement à côté de la flotte. Alors, ça pourrait être le cas ici, par exemple. Il me faut un autre feu de broussailles. Merdouille. Merdouille, merdouille. Je vais essayer d'aller chercher la grande tente, histoire d'avoir. J'ai besoin d'avoir plus de population. J'ai besoin de plus de chambres. Du bois. Je peux en économiser un sur le bois pour faire plus de chanvre. Parce que j'ai besoin de me générer plus de chaleur. Donc, on est parti sur un autre feu de broussailles. Notre feu de broussailles. Donc ouais, la cendre, ça diminue de 1 la production. Ici, l'autre feu de broussailles. Ok. Cet event-là, c'est bon. Et j'en ai un nouveau dans 5 tours. Ah, très bien. Là, pour le coup, j'en avais vraiment besoin. 4 outils de base, cadeau. Ça va me permettre de pouvoir tout de suite produire un coutelier une fois un bricoleur de disponible. Alors, toi, tu m'as l'air d'être un bricoleur disponible qui va devenir coutelier et qui va me générer de l'espoir sans que je n'ai rien à faire. Et ça, c'est top.
Chaleur, chaleur. Hop, en chambre, ça tient. En chambre, ça tient. Pas longtemps, mais ça va tenir. Ok. Bon. Et même un léger excédent de bouffe. Donc je vais pouvoir désactiver pendant un tour ici. Encore faire un coup. Et ensuite, je l'arrêterai. Là, je vais être dans le rouge, dans le vert. Donc, je vais pouvoir en arrêter un. C'est vraiment serré. Donc, je vais pouvoir relancer un peu plus de recherche. Ça, c'est quoi? Détester champ. 10 tours, c'est vrai que c'est quand même vraiment tranquille. J'ai vu des commentaires sur, sur Discord qui disaient que c'était un peu trop facile avec les champs d'oignons l'hiver. Parce qu'en fait, l'hiver, c'est bah, forcément la saison difficile pour pour la bouffe. Et en fait, les champs d'oignons permettent de vraiment régler ce problème. Hop. J'aime beaucoup la dynamique dans ce jeu en fait où la joie je suis effectivement je suis vraiment short mais voilà en grappillant juste ce qu'il faut comme il faut quand il faut je vois que j'arrive à survivre en fait hein, tout simplement alors un peu de bois. Et je vais pouvoir lancer cette construction tout juste. Je pourrais améliorer cela aussi. Donc là, c'est équilibré, c'est bon. Là, je suis dans le vert, c'est bon. Là, je suis dans le vert, c'est bon. Outils abandonnés. C'est quoi? Témoin de outils abandonnés. Je sais pas. Ah si j'ai. Ah j'avais je l'avais laissé là. Bon. C'est une question d'équilibre. Ouais, il ne faut pas surdévelopper, c'est ça, une capacité. Car une autre sera sous-développée. Généralement, c'est pas bon. C'est exactement ça, quoi. Mais il faut. Faut arriver à choper le bon équilibre au bon moment et. Là par exemple, non, là ça va être bon. Donc c'est un succès. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver? Une idée de la science, yes. De la recherche en plus. Ah, et même pas mal de recherches. Combien? 24 de connaissances, ça c'est vraiment cool. Et les événements, il n'y a pas de secret, hein. Faut les réussir. Si tu les réussis, parce que si tu les réussis pas, c'est tellement le bordel. Hein. Voilà, la grande tente. Donc je vais pouvoir utiliser mon cuir. Alors voilà, donc là j'ai mon coutelier qui est efficace. Et ça va être vraiment cool pour la suite. Delba va bosser ici. En chambre, ça va, je suis positif. Par contre, je vais avoir besoin d'aller récupérer de nouveau des graines.
chaleur, ça va le faire. Finis-toi. On va bosser là. J'en ai un qui fait du bois. Il faut que j'ai un minimum d'avance. Bah, sur mon autre partie hein, que j'ai faite, j'avais énormément. Tiens, moi, je vais aller chercher le gros brasier pour générer beaucoup de chaleur d'un coup. Sur l'autre partie que j'ai faite, hein, c'est vrai que j'avais énormément de population. Bon, j'avais un développement qui était vraiment important, donc je n'avais pas besoin de quoi que ce soit d'autre, mais j'avais une population qui était fondamentalement beaucoup trop grande. Alors, je peux améliorer ma tente, mes tentes. C'est ce que je vais faire, mais il me faut du monde. Forcément, là, il me faut du cuir. Normalement, si je génère, je sais plus à quel moment je vais être amené à générer 5 de peur parce que j'aurais tué un petit animal. Donc, si je génère 7, enfin 5 plus 2, c'était 7, c'était 13. 13, là, je vais être à 16. Et comme j'ai besoin d'avoir 3 fois plus que 1, normalement, c'est bon, je reste à 100%. Normalement. Pourquoi est-ce que t'as pas voulu me la faire? Ah si, c'est bon. Ah oui, en plus, ça me coûte que 2. Du coup, parce que comme c'est en remplacement, eh ben, ça prend en compte les ressources déjà consommées. Ah, c'est direct en plus. C'est bon, j'ai pas généré plus 5. Allez, c'est bon. C'est passé. Alors. Que va-t-il se passer? Ah, un autre pipe accuse Lika d'être carrément diabolique. Ils vont se battre. Dois-je les arrêter ou les laisser régler le problème? Alors, soit je stimule, je vais obtenir de la chaleur et saignement, j'en ai absolument rien à faire. Soit j'obtiens de l'espoir, j'arrête le combat. Bah, de l'espoir, c'est bien parce que c'est ce que je veux. Ce contre quoi je vais devoir me battre. Comme événement maudit, comme. Ouais. Plus j'ai de l'avance, mieux c'est. Typiquement, du coup, je vais laisser le coutelier bosser. Pour qu'il me fasse ses plus 6 par tour. Et du coup, bah, je vais prendre de l'avance pour pouvoir gérer les merdes. Alors, tac. Alors, je vais aussi remplacer mes autres fabricants de bois ici. Hop. Et je peux. Mais, ah non, non, je voulais faire d'abord un bébé. Hop. Au turbin. Ok. Là, c'est bon. Ça, par contre, je peux pas le faire pour garantir le 100%. Et il faut que je lance une nouvelle recherche. Donc, j'ai débloqué les fabricants de manteaux. Donc, c'est des super générateurs de chaleur. Mais pour ça, pour que je puisse les utiliser, j'ai besoin de générer du tissu. Et ça, j'en ai pas. Donc, on va pas faire pour l'instant. Anticipons. Est-ce que là j'ai un truc urgentissime? Alors je pourrais faire en sorte de générer plus d'eau. Mais j'ai plus. J'ai quoi? J'ai 8 de stock d'eau.
Pas besoin de générer de l'eau. Ici. Là, c'est, je pourrais enlever la cendre. Ça doit être ce qui est ici. Mais pour ça, ça fait beaucoup trop de recherches. Je ne vais pas le faire. Je peux faire fabricant de bois de chanvre. C'est vraiment un drôle de nom. Je pourrais. Oui, c'est vrai que je peux générer de la pierre. La nature, pour l'instant, ça va. La chaleur, ça va. L'espoir, ça va. Alors, je peux améliorer le. Oula, j'ai absolument pas de quoi faire un festival. Ni un théâtre d'animaux. Ça, c'est des trucs bien trop avancés. Par contre, je pourrais me dire que je vais améliorer la salle du village. Ce qui me permettra d'augmenter mon stock, augmenter ma population. Où chercher le tissu? Où? Je vais aller chercher la salle du village. Je vais essayer de me fabriquer, de me faire des constructeurs de pierre. Alors, je peux améliorer ça. Tant que je n'en ai pas besoin, je vais le faire. Non, parce que lui, il est utilisé. Hey, salut Mazamara! Regarde. Tiens, je pourrais aussi. Regarde, regarde. Je pourrais aussi. Est-ce que. Je t'ai fait un druide, Mazamara. J'ai vu qu'on pouvait renommer. Est-ce que Squash, tu veux que je te renomme un perso? C'est gratos, il n'y a même pas besoin de dépenser des points. Tu me dis Squash si tu veux un peu, si tu veux genre demain. Donc, Mazamara, la situation est tendue, mais on arrive à tenir. C'est ça qui compte. Écoute, moi je suis en assez petite forme, mais bon, suffisamment quand même pour arriver à faire un live. Là, je génère des graines. J'ai pas besoin de graines dans l'immédiat. Par contre, j'ai besoin de chanvre. J'ai besoin de me refaire du stock de chanvre. Ça me coûterait combien d'augmenter ça? Ça me coûte. Ah, ça me coûte de la pierre. Bon, définitivement, il faut que j'aille chercher le fabricant de pierre. Tu prends celui qui semble le plus adéquat. Pas de préférence. On va refaire le tour ensemble. J'aime bien. Hop, je vais mettre là un truc de pierre. Ça me coûte. Ah oui, de toute façon, j'ai pas assez de bois. Pour l'instant, j'ai soit des gens de base, des roturiers, comme dit. Non, j'ai un outilleur, j'ai un druide, un bricoleur. Ah non, c'est bricoleur, c'est rien de particulier. J'ai des observateurs avec un drôle d'œil sur la tête. J'ai un chasseur, coutelier avec un masque d'Halloween aussi. Voilà. Tu fais ton choix. Je sais pas. Chasseur, allez. Un petit chasseur. Hop, hop. Chasseur, il est là. Squash. Voilà.
Alors, j'ai besoin de bois et j'ai besoin. Bon, pour l'instant, je peux pas la faire, la pierre, tant pis. Là, ils font des bébés. Donc, au prochain tour, ils seront dispo. Quelle violence. Alors, l'event de froid qui est un succès. Ah, qu'est-ce qui se passe? De l'eau souterraine. Pff, super inutile. Je préférais les 24 de recherche ou les 4 outils précédents. Franchement. Sachant que je peux pas du tout en profiter de ces eaux souterraines. C'est quand même vraiment con. Donc, je peux pas refaire de bébé tant qu'il y en a un qui est en train de grandir. Alors. Par contre, je peux. Bah, du coup, j'ai suffisamment de bois pour pouvoir me lancer là-dedans. Les fabricants, j'ai plus besoin de générer de chaleur dans l'immédiat. Par contre, ah oui, non, je peux pas faire l'autre. Ouais, là, en plus, oui, je génère de la peur avec. Avec mon dépeceur, je vais améliorer cette, une autre tente. Hop. Ah merde, il faut que je fasse. Hop. Que je replante des graines. Ah, attends. Est-ce que du coup. Alors, attends. Du coup, tomate ou citrouille. Ça fait 50. Et ça fait 36. Il n'y a pas tortier. Ah, attends, il faut. Ah, ça peut se mettre n'importe où. Ah ouais, si je le mets là, ça. Ah ouais! Bah c'est tout bonnard. C'est tout bénef. Ça n'a même pas besoin de champ. Ok, donc on va pouvoir prendre de l'avance. Sauf que ça me. Alors ça me coûte des graines, ça me coûte de la flotte. Ouais, bon si, en fait, les citrouilles, c'est bien. Puis c'est de toute façon c'est thématique. Ouais, c'est presque con. Si je. Attends. Je vais déplanter. Les pommiers, de toute façon, je peux en refaire. Ah! Je perds mon casque. Du coup, je referai un autre champ de citrouille ici, comme ça, il sera à côté de l'eau. Donc ce sera double bénéf. J'ai pas d'autre champ. Si, ben j'ai là, mais. Celui-ci, je peux pas m'en. Ouais, j'ai besoin d'être à côté de l'eau. Ouais, j'ai pas besoin d'être à côté d'un champ. Ok, bon, on va faire ça. Je vais déplanter ça. En plus, ça me donnera des graines. Hop. Je pourrais dépenser ensuite. Si j'étais raisonnable, ceci dit, je générerais de la chaleur. Attention, un événement maudit va bientôt se produire. Papa voit l'affronter car il peut sonner la fin du village.
Ok, donc pendant 8 tours maintenant, ah bah c'est bon. Oui, donc j'ai largement de l'avance. Pendant 8 tours, il va générer 6, donc 8 fois 6, 48, 48 et 5, 53. Ouais, sinon, pardon. Je peux m'accorder éventuellement quelques tours, mais ouais. Pas trop trop rigoler quand même. Des champs de chitrouille. 11 ici, pour oh, la vache. Ouais, c'est vraiment bonnard. 11 pour 110 de bouffe. J'ai quand même me faire. Continuer de me faire des tomates. Alors là, je génère du bois de nouveau. Hop, toi, tu peux t'arrêter et te transformer en fait, surtout. Ah, je peux refaire des bébés. Je peux refaire des bébés. Qu'est-ce qui va me faire des bébés? Bah, toi, pendant un tour. Hop. Ça va être boussure, non. Là, je pensais que j'avais arrêté quelqu'un, mais en fait non. Ah oui, mais j'ai qu'un seul truc de recherche actif. Ouais, bon. Je peux me laisser un tour. Donc Lola, tu vas arrêter de faire des bébés. Hop, par contre. Voilà. Pareil, j'ai pas d'avance sur la maladie. Ça peut être dangereux. J'ai tué un autre lapin. Viens, salle du village est cherchée. Donc maintenant, il me manque juste ces 4 tours, je pense. Ça me coûte ouais 4 de pierre, donc dans 3 tours je pourrais le lancer. Il faudra que j'ai suffisamment de bois. Du coup j'ai pas lancé amélioration ici. Je vais le faire. Hop. Je vais continuer à faire à améliorer mes tentes. Ah, en plus ça augmente la portée. Ah ouais, ça permet de se débarrasser de certains poteaux potentiellement. Il peut libérer de la place. Alors, le coutelier retourne ici. Eh ouais. Faut que je fasse gaffe quand même. Allez, un peu de fumette. Un peu de fumette. Ah zut. Il faut que je plante ça. Il faut que j'ai quelqu'un qui vienne me ramasser des graines. Je suis light et j'ai plus de flotte non plus. Voilà. Faut que je refasse un peu de stock. Allez. Alors, recherche. Donc, j'ai là les maisons bourgeoises. Donc, ça, c'est le troisième type de population. Et qui permet de faire des métiers encore plus avancés. Allô?
Je taffe encore, d'accord, j'écoute d'une oreille. C'est Squash qui. J'ai renommé le chasseur Squash et il a dit que du coup il allait te tirer dans les fesses. Allez, on va partir sur les fontaines améliorées. Ce qui serait bien aussi, en fait, ce serait que je puisse me débarrasser de mes bâtiments qui me servent à rien. Il dit qu'il va pas se gêner. Du propre. Bon, allez, pour sourcier, on va dire que c'est bon. Ouf. Non, il est pas très gentil, Squash. Je trouve aussi. J'ai plus beaucoup de tomates. Normal, j'en récolte plus. Là. On va aller bouffer des fraises. Hein. J'attends encore 2 tours pour mes citrouilles. Donc ici, c'est bon pour le chanvre. Hop, là, faut aller refaire des bébés. Tiens, là aussi, je pourrais faire des bébés. Donc, j'aurais fait du stock de chanvre. On m'a dit que j'avais plus d'eau. C'est toujours aussi short quand même. C'est toujours le flux tendu. J'ai besoin de me faire du bois pour pouvoir agrandir mon village. J'ai moins besoin de recherche dans l'immédiat. Je vais me faire du stock de graines. J'ai encore combien de tentes à améliorer? J'en ai une là. C'est tout. Ah non, une là. J'en ai encore 2 à améliorer. De toute façon, alors je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Moi, je prie la nature pour tous vous sauver, pour tous vous sauver en tant que druide. De toute façon, c'est de ta faute. Tu te mets dans ma ligne de mire. Moi, je chasse de la viande, c'est de la viande. Ouais. En plus, t'es cannibale, quoi. C'est pas très très joli. Allez, on va terminer celui-ci. On va générer de la flotte. Hop, on bouffe. Ça va le faire au prochain tour. Eh oui, donc là. Là, moi, je vous laisse régler vos comptes. Hein. Tout ce que je veux, c'est que ce soit propre à la fin. Chanvre des graines. Hop, un petit coup de fumette pour repasser à 100%. Et bon, en fait, ça permet d'équilibrer. Ça, à chaque fois que je tue un animal, je fais un coup de fumette. Comme ça, ils sont de nouveau contents. Et j'ai pas de compte à régler, juste un arc. Pas de violence, c'est les vacances. Alors, je vais pouvoir améliorer mon hall. Et je vais pouvoir me mettre à récolter de la citrouille. Ça tombe bien parce que ça commence de nouveau avec le drame sur la bouffe. Les grandes sources. Donc, on va pouvoir améliorer nos sources. J'ai débloqué les énormes sources. Forcément. Je vais prendre un tout petit peu d'avance. Mais on sait que l'avance c'est nécessaire en allant
Il faut. Ah, par contre, oui, ça c'est la différence. C'est qu'il faut un fermier pour pouvoir récolter cela. Alors, du coup, je peux améliorer mon hall de guilde, mon hall principal, oui. Donc, en améliorant, on voit que les routes sont augmentées. Donc, ça permet d'accéder à plus de zones. Donc, bon. En vrai. C'est des zones auxquelles j'ai déjà accès par les panneaux de signalisation ou les maisons. Presque. Il y a juste ici où que je vais débloquer et là. Mais bon, c'est pas ouf. Hop, toi, c'est bon. Les babies, c'est bon. En bouffe, c'est juste. On va refaire du bois. Et alors pour améliorer mes sources, ça me coûte quoi? Du bois aussi. Je pourrais pas le faire à ce tour-ci. Par contre, je peux améliorer encore une tente. Trente-quatre jours avant la prochaine saison. Ah, c'est beaucoup plus long la saison d'automne, tiens. J'avais pas fait gaffe. J'ai un automne très long. Ça m'arrange. Franchement. Ouais, puis je vais pouvoir libérer Squash qui va arrêter d'aller tuer les gentils lapins. Parce que du coup, je peux aussi améliorer ma dernière maison. Hop. Je peux améliorer ma source. Tac. Ah, je peux. Ah non, c'est qu'il est encore en formation. D'accord. Ah oui, c'est. Oui. Je vois. Donc en fait, c'est pas absolument génial pour ça. Toi, tu ramasses des tomates, c'est nécessaire. Toi, tu ramasses du chanvre, c'est moins nécessaire. Est-ce que je vais pouvoir améliorer ces choses-là? Il me faut deux cailloux. Non, je ne peux pas encore. Alors, ce que je vais faire, maintenant que j'ai un tout petit peu de répit, même si bon, je pourrais l'envoyer sur de la recherche, je vais aller casser mes trucs dont j'ai plus besoin, histoire de me libérer de la place. Pour d'autres bâtiments plus intéressants et ça va me rendre quelques ressources. Il faut que je fasse gaffe que j'ai besoin d'aller fumer un petit coup. Ok, nickel, ça a pris qu'un seul tour. Hop, je peux aller faire des bébés ici. Je vais continuer de casser ces trucs-là dont j'ai pas besoin. Attends, non. Toi, tu vas m'améliorer. Moins 3 de chanvre. J'ai besoin d'un fumeur de Havane. Je vais me fumer de la Havane. Ok, donc là j'ai ce champ de tomates qui est de nouveau OP. Alors j'ai plus besoin de faire autant de bois. Par contre, je peux récolter de nouveau de l'eau.
Pourquoi ça avance pas sa formation là? Bon. Si ça doit avancer, mais le timer avance pas. Je sais pas pourquoi j'ai des tentes que je peux encore me faire de la. Je peux encore me faire de. Du monde. Ah voilà. Un fermier. Alors du coup, je vais l'envoyer plutôt ici. Puisque ça me rapporte 11 au lieu de rapporter 6. Oh putain, les stocks sont quand même. Je vais faire un autre fermier. Tiens, non. Je vais faire une fermière. Une fermière que je vais appeler Chobiti. Avec une tête de citrouille, je pense qu'elle sera très heureuse. J'aurais besoin d'une madame. Alors, une madame qui soit. Une bricoleuse. Voilà. Tima, je vais t'appeler Chobiti. Non, pas Choniti, mais Chobiti. Et je vais faire de toi. Alors, où es-tu? Tac. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je ne sais pas. Ah, c'est avec la touche. Ah, si je veux faire ça. Non. Où qu'elle est Chobiti. Bon, squash est en train d'améliorer notre lap. Pio, Pinbo, Chobiti, là. Alors, c'est Chobiti qui est en train d'améliorer. Ah non, Chobiti ne peut pas se former, zut. Comme elle est en amélioration, je ne peux pas la changer. Bon, bah, il faudra attendre. Non, je ne vais pas attendre. J'ai besoin d'un deuxième fermier tout de suite. Alors, il faudrait que je renomme quelqu'un d'autre, Chobiti. Hop, 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 hop. Toi, je vais te rappeler, tu vas t'appeler Malice. Hop, on verra ce qu'on fera de Malice plus tard. Loupa. Que fais-tu, Loupa? Ramasse les tomates. C'est ça? Non. Loupa, tu es là. Voilà. Loupa va pouvoir devenir. Va pouvoir devenir. Ah, est-ce que je peux. Non. Il veut pas. Il faut. En fait, il faut que j'occupe tout le monde. Quoi est-ce que je vais pouvoir l'occuper? Alors, tac, voilà, ça y est, j'ai pu triquer, 85, je suis impressionné, dire que j'ai loupé tout ça, j'ai hâte de voir ta VOD, bah écoute, donc voilà Chobiti avec ta future citrouille sur la tête. Donc, je peux faire un autre baby là, et je peux faire un autre baby là. Non, il faudrait que je récolte plus de bouffe. De reprendre un peu d'avance de ce point de vue-là. Ça, je vais le casser aussi. Normalement, si je gère bien, j'ai pas besoin d'avoir trop de choses. Allez. Hop, on est parti comme ça. Ça me donne du chanvre en plus, c'est très bien. Et on en a terminé avec notre événement maudit. Il y a des soldats à gauche, non, non. Pas du tout.
C'est un bro. Non, c'est un coutelier. Mais comment c'est un coutelier en période d'Halloween. Alors, les événements maudits, quand on les réussit. Attendez, je me souviens qu'après avoir évité l'événement du destin, le village était différent. On peut sélectionner un bœuf qui sera soit permanent, soit temporaire. Par exemple, je peux choper plein de baies d'un coup. Les animaux sauvages grandissent deux fois plus vite et les terrains en contiennent deux fois plus. Alors ça, typiquement, ça m'intéresse pas du tout parce que les animaux, bah, généralement, je ne peux pas les tuer. Donc j'en veux pas. Par contre, mangeur de réglisse, pourquoi pas? Les pipes gagnent le trait, mangent du bois. En dernier recours, normalement, hein, on est censé éviter, hein, parce que la production de bois est quand même pas ouf. Mais quand t'es vraiment dans la merde, bah tu bouffes du bois. Alors quand t'es vraiment dans la merde, tu peux te dire que tu as stocké 50 baies en plus, et qu'avec ces 50 baies, bah t'es à peu près tranquille pour. Mais ouais, non, finis ton écorce et lève-toi les mains. C'est talent ça. Allez, je vais leur faire bouffer du bois. Bien. Les pips gagnent le trait, mange du bois. Je trouve ça tellement débile. J'adore. Bon travail, les pips. Ce dernier destin a été facile à éviter. Bah ouais, quand on gère. Ça aurait pu être pire, j'aurais pu mourir. Je pense que nous sommes en droit d'attendre. Attendez. Quoi? Quelque chose ne va pas, l'aîné? Ah, l'apocalypse, encore! Nous pouvons rentrer à la maison maintenant, doyen? Bande de crétins! Je viens de voir l'apocalypse! J'ai tout vu, je sais quand l'apocalypse va arriver. Elle nous attend après tous ces événements maudits. Vous n'êtes pas sérieuse, doyen, doyenne. Vous feriez mieux de vous préparer pour le prochain destin, espèce d'imbécile. Voilà. Donc là maintenant, c'est pas fini. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse, mais il y a de l'espoir, nous pouvons le combattre. Eh ben oui, alors j'ai débloqué les champs d'oignons et heureusement j'ai de quoi générer de la chaleur. Donc voilà, donc là normalement en gros on est en roue libre. Donc alors c'est juste que voilà, on sait que c'est ça, c'est qu'il me semblait il y a 8 chapitres, puis on est au chapitre 3. Autant dire que la partie, toujours cet acteur studio. Autant dire qu'une partie, c'est quand même un peu long. C'est, je l'avais dit, hein, je sais plus, le précédent ou l'avant-dernier live, ça fait partie des défauts. Hein. C'est vrai que finalement, au bout d'un certain temps, bah, tu as le sentiment que, bon, on verra quand on y sera. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Donc, je vois que je vais avoir un événement du domaine de la chaleur, puis un événement du domaine de la peur, puis un événement, deux événements du domaine de la maladie. Et juste avant, j'aurais eu un événement du domaine du cataclysme que nous n'avons pas encore eu. Et on terminera sur un truc de la peur. Voilà, donc savoir ça, bah, c'est pas mal pour anticiper. Je vois que j'ai le changement de saison qui interviendra à ce niveau-là. Le passage à l'hiver. Donc il faut que je génère du chaud. Pour ça, il faut que je génère du chanvre. Donc celui-ci tombe vraiment poil au bon moment. J'ai besoin de graines en plus également. Ah si, je sais ce que je peux faire. Je peux détruire ça. Comme ça, je peux ici mettre un champ de citrouille et ça me permettra d'avoir deux récolteurs plus supplémentaires éventuellement.
Alors, de toute façon, je vais bientôt m'arrêter. Je commence à avoir la dalle. Et ça fait un petit temps que ce live va commencer. Qu'est-ce que je vais aller chercher avant ça? Alors, la papeterie. Ouais. J'ai besoin de générer du papier. L'entrepôt pour pouvoir stocker davantage. La cabane du tailleur de pierre pour générer plus de pierre. Ça me permettrait d'en générer 3 par tour au lieu d'en générer une. Meilleur atelier. Encore plus d'eau d'un coup. Qu'est-ce qui est intéressant? Allez, j'ai bientôt fini le boulot, je vous laisse, je regarderai toutes les VOD. Et ben, merci à toi, Mazamara. Bonne fin de journée. Merci d'avoir suivi le live. Et puis ce week-end peut-être. Si je sais ce que je vais faire, j'ai me faire un truc qui permette de générer davantage de points de maladie. Parce que quand même, j'ai pas grand-chose pour en faire. Et voilà. Et il faut que j'en génère. Ok, et eh ben je vais m'arrêter là aussi. Je sais pas si Squatch tu es encore dans le coin. Si c'est le cas, merci d'avoir suivi ce live. Et merci à ceux qui regarderont cette VOD qui sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!